Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et j'ai la voix qui est partie en couille pour ce nouvel épisode de Fallout 4. Donc on sort dans le Commonwealth et on va continuer. Ouh, ça fait deux pistolets que je viens de voir dans les deux chargements, donc celui-ci plus un autre avant. D'ailleurs celui d'avant, je ne vois pas du tout où est-ce que je vais pouvoir le trouver, il est très particulier, j'en ai pas encore vu. Enfin bon. Bon, je me suis dit, chers amis, qu'on pourrait peut-être retourner à Sanctuary, ranger notre bordel et reprendre quelques quêtes. J'ai bien envie d'avoir le paladin, d'aller voir le paladin Dance là. Voir ce qu'il va me dire et voir ce qu'on peut en faire. La dernière fois que j'ai dit ça, en fait, on est parti, on est allé voir si, si il y avait des choses donc autour du paladin, enfin du commissariat où est le paladin. Donc on peut voir la texture, c'est bien parce qu'on peut voir la texture en fait que j'ai rajoutée sur le Pip-Boy, qui est loin d'être mauvaise, hein, vous pouvez voir. Je suis content qu'on puisse la voir en entier, qu'elle soit faite sur l'intégralité entre guillemets de l'objet. Bon. Le robot Miss Nia a été créé par General Atomics International pour devenir l'équipement féminin du Mr. Andy. L'équivalent féminin du Mr. Andy, pardon. Ok. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary. Alors. Ok. Paré pour l'avenir. Vous cherchez comment quelque ça, chose? Le drôle de goût? Tu vas t'arrêter? Hop, je te remercie. Atelier, stocker le bric-à-brac. Déjà ça, c'est fait. Fabriquer. Alors quand je vois ce pistolet là, je me dis que non, c'est pas ça. On est d'accord. Donc c'est pas ce pistolet là, c'est marrant ça. Ah oui, je devais vous le montrer, chers amis. Alors, normalement, si je fais slash i, hop, pardon, pas slash, mais enfin barre, et là je fais slash i, entrée, ça marche pas. Ah bon, je suis vexé. Bang MK2. Je suis vexé. Je pensais que ça marcherait. Je suis ouais vraiment vexé. Mais alors vraiment vexé. Non, ça me non. Ça me trouve le cul. Soyons honnêtes, ça me trouve le cul. Bah elle est pas améliorée à fond cette arme. Bah voilà. Culasse puissante, ça c'est la dernière par contre. Crosse à compensateur, c'est le dernier. Grand tambour à éjection rapide, c'est bon. Silencieux, bon. On l'a mis. Bon, d'accord. Celle-là, le tuyau. Culasse puissante, canon long. Culasse puissante. Ouais, il m'en reste encore un bon paquet, mais j'ai pas le niveau requis. Le cloneur de balles. Ah oui, c'est ça. Il est bien, il est très efficace. Excusez-moi. Mais on n'a pas de balles. Je justement. Préférerais. Clone les balles, mais on en a pas assez. D'accord. Heureusement que celui-là on est équipé. Remarque, c'est deux trucs de calibre 12. Hein. Ouais, donc je vais en ranger une. De toute façon, là on va faire du rangement, chers amis, hein, on va en profiter à fond. Hop. Non, ça c'est l'inventaire, c'est mon inventaire ça. Hop. Le double tap plutonium. Que total fait 200 de dégâts, ce qui n'est pas rien. Hein. Bah je le lâche. Oh putain, j'ai lâché. Oh nom de Dieu, ça fait mal. Oula, j'ai lâché un truc qu'il fallait pas. J'ai lâché un truc qu'il fallait pas, mais j'ai pas vu ce que c'était. L'âge de grognac, voilà. Le cloneur de balle, le lance-glaçon, je le garde. L'insecticide raid, je le
garde le tuyau, je le garde les mines. Je les mets. Voilà, déjà ça. Ça fait du bien par où ça passe. Ici. Hop, transfert. Mes tenues. Harnais. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Est-ce qu'on peut crafter quelque chose là-dessus? Il semble avoir amélioré quelque chose à un moment. Je me suis planté de bouton. Hop, voilà, merci. Tableau des aptitudes. On n'a pas mis un point quelque part par là à gauche? Forgeron. Module d'armes de corps à corps de niveau 2. Oui, d'accord. Et la force. Ok. Ok, ok. Ici. Qu'est-ce que j'ai actuellement, moi, en fait, en vrai? Faudrait que j'ai ça, mais j'ai pas le niveau d'armurier requis, ça c'est clair. Même au niveau de... Vous voyez, regardez. Même si je mettais ça, en fait, ce serait mieux. J'ai pas le niveau. Bon, faudra qu'on en fasse, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, faudra qu'on en fasse. Oh! Bah si, j'ai des armures qui sont mille fois mieux. Je t'ai vu. Te planque pas, je t'ai vu. Non, je me suis planté. Bah si. Drifter outfit. Elle a vachement bien cette armure. Bon, enfin bon. Misc. Ok, masque. Les bandanas, vous les gaz masques. Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, et la sanctuarie, on a rien de bien intéressant. Pareil pour l'avenir. On verra bien le moment venu, c'est pas grave. Je pensais qu'on aurait pu trouver quelque chose, mais non. Hop, ici, est-ce qu'on a des nouvelles armes? Est-ce qu'ils ont ajouté de nouvelles armes dans les mods? On pourrait en crafter certaines, mais j'ai pas envie de les crafter en fait, j'ai envie de les trouver d'abord avant de les crafter. Par exemple celle-là, j'ai envie de la trouver avant de la crafter. Remarque, je peux la crafter. Bah, je la crafte. Hop. Maintenant, on va là. On va aller l'améliorer. Juste parce qu'elle est stylée. Standard, lame courbe, lame rallongée. Bon, elle est pas extrêmement... provoque l'hémorragie de l'acide. Ah, quoique. Ouais, ouais, ouais. Je vais juste la mettre de côté, en fait. Je vais pas l'utiliser tout de suite, chers amis, parce que, bon, voilà, j'ai pas le niveau 3 et j'aimerais avoir le niveau 3. Et surtout, j'ai craqué parce que je voulais la voir, mais je vais pas... Voilà. Bon. Nous sommes à Sanctuary. Nous avons une chier d'armure. Mais quand je dis une chier d'armure, je... peux pas être plus précis, hein. Et il nous manque encore des bouts d'armure X01. Certains m'ont dit qu'il fallait que je recherche le Force Strong. J'espère que vous retrouverez votre et qu'au Force Strong, je trouverai une armure complète de X01. Bon, bah alors le Force Strong, par contre, hein, je suis pas prêt de le trouver. Hein. Soyons honnêtes. University Point. Vous voyez, bon, bah, vu la taille de la map, hein, je vais en chier. Quoi qu'il en soit, nous avons une chier de quête à faire. Et on va commencer par celle-ci, celle qui était déjà sélectionnée, donc depuis déjà quelques épisodes. Désolé. Maintenant, faut la trouver. Là. Commissariat de Cambridge. On va faire une ou deux quêtes secondaires avant de reprendre la quête principale. C'est quand même cool que j'ai fini la quête principale avant l'épisode 100. Ça risque d'être short.
Au pire, je peux avoir un épisode sans quête principale. 2-3 heures. Bubble and Unlike. On verra bien, hein. De toute façon, je fais déjà des épisodes qui arrivent à plus d'une heure parfois, donc. On verra. Yo. Lise un peu ces traces de brûlure. Ils ont dû utiliser une caisse de munitions entière pour tenir ce site. Ça veut dire qu'on a raté la fête, j'imagine. Ah, il est là. Personne ne va revenir s'installer ici maintenant que le prix de Wayne est là. On dirait un rebelle. Merci. J'avais pas vu. J'aimerais que t'évites de faire ça, Kanigou. Ouvrir les portes, c'est pas hyper RP. Hein. Certes, t'es balèze, hein, je veux bien le reconnaître. Mais non, t'es un chien, t'ouvres pas les portes. Enfin, pas sans qu'on te le demande. Si tu veux vraiment le faire, tu t'attends qu'on te le demande. Encore que Nick le fasse, je comprenne, il a des mains avec des pouces. Des pouces opposables. Mais pas toi. Madame Dance, contente de vous voir sain et sauf. Vous avez une bonne nouvelle pour nous ? Mission accomplie. Nous avons l'émetteur. Ah, la ouais. Chance nous sourit enfin. Beau travail, paladin. Je n'étais pas tout seul. Hélène ? Yo ! Les ghouls sauvages, ça éclate tout seul quand on leur piétine la tête avec une armure assistée. J'adore. Ah, ce vous voilà. Hélène ? Rhys ? Souhaitez la bienvenue à la nouvelle recrue de la confrérie. Il a déjà Yo. Fait ses preuves sur le terrain. S'il suit bien nos enseignements, je suis sûr qu'il sera promis à... Nick, qui s'en fout. J'aimerais monter à bord du Pride Wayne. Quand est-ce que je pourrais monter à bord du Pride Wayne ? Le paladin Dance vous donnera l'autorisation le moment venu. En attendant, vous allez devoir rester avec nous. Vous avez décidé de rester, finalement ? Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. Sarcastique. Allez, on est tous amis ici. Vous voulez un gros câlin pour faire la paix ? Vous pouvez jouer les durs tant que vous voulez, ça prendra pas. Il faudra plus qu'une seule petite mission pour m'impressionner. Rhys, ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble, que ça vous plaise ou non. Et vous ? Vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Nous ne sommes pas le jeu de sourcils, regardez ça. Dimanche qui joue à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Oh. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Un code moral. Vous allez m'apprendre votre code moral ? Si vous avez écouté un minimum, la mission Arkjet devrait déjà constituer un avant-goût significatif. Le reste viendra rapidement au contact de vos nouveaux compagnons d'armes. Je sais que vous avez hâte de rentrer dans le feu de l'action. Alors j'irai droit au but. Je préfère, ouais. Ce que j'attends de mes subordonnés tient en deux mots. Respect et honnêteté. Oula ! Vous rentrez dans le rang et vous y restez. Je vous donne un ordre, vous le suivez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et si je t'abats tout de suite ? Il reste encore une dernière chose à régler. Je vais demander officiellement qu'on vous accorde le grade de chevalier. Attention, rien ne sera officiel tant que vous n'aurez pas parlé à l'aîné Maxon. Mais je ne pouvais pas résister à l'envie de vous l'annoncer. Je mérite mieux. Chevalier, c'est tout. Je pensais mériter mieux. Ne vous méprenez pas, ça ne reflète aucunement vos compétences. Tout le monde commence au grade de conscrit ou de chevalier, c'est comme ça. Ad victoriam, chevalier. Il sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Ad victoriam, ça veut dire vers la victoire. Nous nous battons pour l'avenir de l'humanité. Le mot défaite ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Tu as employé un mot que je ne connaissais pas. Est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord du Pride Wayne. Ah bah tu vois. N'hésitez pas à accomplir quelques missions pour le scribe Hélène ou le chevalier Rhys. Votre aide sera la bienvenue. C'est à vous de décider. Prévenez-moi quand nous pourrons partir. Je pense que je vais plus aider le scribe et le chevalier. Ils ont vraiment sorti la grosse artillerie. Si ça continue, ça va être la guerre ouverte. On va trouver un terrain d'entente. J'aimerais bien qu'on trouve un terrain d'entente. Rhys ne s'entend qu'avec lui-même. Rhys ne vit que pour la confrérie. Elle est sa famille. Toute sa vie même. Pour petit. Rien d'autre ne compte pour lui. Et si quelque chose le gêne, il le pousse hors de son chemin. Sans ménagement, comme vous avez pu le voir. Il y a quelque chose entre vous ? Il y a quelque chose entre vous deux ? Quand je me suis engagée, c'est Rhys qui a été mon mentor. Il m'a prise sous son aile et il m'a tout appris. Oh ma pauvre. J'ai cru un moment qu'il y avait plus que ça entre nous, alors je lui ai demandé s'il pensait de même. Oups. Mais il m'a répondu que seule la confrérie de l'acier comptait à ses yeux et qu'il n'y avait de place pour rien d'autre dans sa vie. Pauvre petite. Depuis, on n'a plus jamais évoqué le sujet. Bon, je dois me remettre au travail. Si l'attitude de Rhys vous inquiète, continuez juste à faire votre travail. Il finira par changer, vous verrez. Alors, vous vous sentez d'attaque. Oh, le changement de sujet. Ouais. Oui. Excellent. Je vais vous expliquer de quoi j'ai besoin.
L'une des principales tâches de la confrérie consiste à récupérer et à préserver la technologie perdue lorsque les bombes sont tombées. Oui, ça j'ai bien compris. J'ai une liste de lieux où ont été aperçus des artefacts qu'il faudrait que vous récupériez, pour que nos scribes puissent les étudier et les cataloguer. Tenez, voilà qui devrait vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin pour trouver le premier. Bonne chance, et faites attention. Merci. Rhys ! Hey. Bon allez, crachez le morceau. À quoi vous jouez ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? En général, un coup d'œil me suffit pour jauger quelqu'un. Mais avec vous, c'est différent. Et franchement, je déteste ça. Vous n'êtes pas un soldat, plus un loup solitaire. Alors je me demande pourquoi vous êtes toujours là. Quel intérêt de rester alors que vous avez eu ce que vous vouliez ? Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas trop, en fait. Alors vous allez devoir choisir votre camp. Vous êtes avec la confrérie ou contre elle. Écoutez, je vais y aller mollo avec vous parce que Dance vous fait confiance. Mais si vous faites le moindre écart et que vous mettez mes frères et mes sœurs en danger, croyez-moi, vous le regretterez. Alors, tu seras le premier que je mettrai. Vous envisagez, oui ou non ? Ouais, vas-y, envoie. Bon, fais péter. Écoutez bien, que ça nous plaise ou non, l'une de nos missions principales consiste à exterminer les saletés qui infestent le Commonwealth. Je parle des mutants, des ghouls, des synthétiques. Ouais, j'ai bien compris. Ces abominations créées par ces sortes qui finalement qu'est leur petit joujou. Cette mission est on ne peut plus simple. Je vous désigne une cible et vous éliminez tout ce qui rôde là-bas. Ah. Les détails dont vous avez besoin. T'es con, mais t'as des bonnes missions. Ne revenez pas tant que le boulot n'aura pas été fait. Bien, madame. Alors. Mais non. C'est pas ce que je veux, madame. Hop. Au rapport. D'accord. Et ça. Alors, College Squares, bah c'est juste au-dessus. Et l'autre, c'est juste à côté, Black Street Apparel, bah oui. Bah écoute, on va y aller. Ça va chier, en plus j'ai de l'arme et j'ai de l'arme et de... Alors par contre, il va falloir que je rééquipe, enfin que je rapproche certaines armes. Je me comprends. Alors, en l'occurrence. Hop, celle-là, t'en es où, toi? 5, non, tirant en 2. Le tuyau. Tirant en 5. Et déjà, avec ça... Ah oui, le clone en 2 balles. Ah, il y a le lance-glaçon. Bon, c'est bon, on va rester comme ça pour l'instant. Juste pour voir, j'ai combien de balles le pistolet ? 226, j'ai rien, quoi. Pourquoi j'ai obtenu de l'XP ? Oh ! Ouais, je vois. Ok, c'est parti ! Allons-y, chers amis, de toute façon, on va pas... chipoter, hein. Ça ne vaut pas le... Aïe. Vous en voyez d'autres ? Ça va être vite fait. Tant qu'on s'en sort. C'est chaud, non? Bah, je sais pas, non, ça doit être pas top. Dis au revoir à ta jambe. Merci. Alors, capsule. Capsule cartouche. En fait, c'était un véritable piège. Parce que plus il y avait de bruit, plus il y avait de... de ghouls, plus il y avait de ghouls, plus le danger était important. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tirer des ghouls ici, quoi. Suitcase. Hop. Ouais. Ah bah non, va te faire foutre. Ah là, c'est intéressant. Oh, mais ça monte encore! Il n'y a cependant personne. Rika, barème. Comment ça, barème?
barème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, nouveau tarif, 10 capsules famille enfant, 30 capsules mercenaires, 50 capsules marchands, 80 capsules chariots, 200 capsules émissaires, éviter les artilleurs, ces connards en armure assistée, laissez-les passer mais gardez un œil sur eux. Tirez à vue sur les synthétiques. Donc c'était simplement un mec qui en fait faisait payer le passage. C'est pour ça que l'endroit est entouré de... C'est pour ça que l'endroit est entouré de comment... Mince. Bah de... De sacs de sable. D'ailleurs il y a... C'est un tuyau, je croyais que c'était un bonhomme, merde. Je préférais que ce soit un mec. Bidon d'aluminium, je prends. Hop, je prends. Merci. Dans les chiottes, y'a rien. Oh putain, j'ai cru voir une tête d'homme. Mais y'avait rien là-dedans. Oh, un coffre. Avancez. Alors, tu veux bien te lâcher ou pas? Viens voir papa. Voilà, bah tu vois quand tu veux. C'est bon. Je prends. What the fuck? Bon bah si vous le dites. Qu'est-ce que t'as fait Ganigou encore? C'est de ta faute ça? Yo les mecs. Wow! Aïe! Tu sais que ça fait mal ça? Par contre j'aimerais pas pouvoir. Est-ce que je t'ai abattu? On joue à cache-cache. Ah les filles! Je crois qu'il en reste plus. Et perds pas les jambes. Couché. Bonjour, elle est dedans. Il ou elle est dedans, vous allez voir. Ça y est. La protection nucléaire à petit budget. C'était beau ça. D'avoir planqué là-dedans, c'était complètement beau. Par contre, oui, ce qui me fait chier, c'est que ce soit souterrain le machin. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille par là. Bon, on y va. College Square. D'accord, station College Square. Eh ben, c'est parti, on y va. Il y avait un truc que j'ai oublié de faire aussi à Sanctuary, tant pis. De toute façon, je l'ai pas trouvé dans le... Faut que je nettoie la zone. Ouais. Vous avez bien vu le cadavre comme moi là-bas. Prenez donc ce qu'on cherche. C'est piégé. Vous aviez des voisins comme ça, vous aussi vous construiriez des murs aussi hauts. Y'a-t-il encore des gens vivants ? Légendaire. Oh, ils ont des trucs. C'est nul, c'est vraiment nul. Oula. Je sais pas ce que c'est que ces petits singes, mais j'en ai pété la gueule à plusieurs. Hein. Ok. Oh.
C'est con ça. T'avais du médic sur toi, c'est cool. T'avais du médic sur... Non, c'est pas drôle comme blague. C'est marrant, on dirait que ça a été plus barricadé qu'autre chose. Bon, on y va. Pas besoin de se couper, pas besoin de se baisser. On va y aller franco. Ok, du scotch, génial. Oh, un pillard. Bonjour. Eh ben, ça nous rajeunit pas. Non, comme tu dis. Oh, un bout de goule, génial. Ah, un copain. Bon. Oh bah non. Ah si, c'est bon. Je voyais pas la clonche, c'est marrant. Hop, c'était une, c'était un verre ou expert. Merci de passer. Oh, un relais énergétique. Oh, vie et amour. Ouais. Oh ouais. Tu penses vraiment qu'à ça, hein? Et chaud dans cette histoire. Alors, salut l'ami. Hop, pipes. Shear. Bones. Bon, échec. Alors. Alors. Vais-je avoir de la chance ou pas? Mot supprimé, cool. Ah voilà, c'est bon. Essaye de réinitialiser. Jones. Miles. Mot supprimé. Mot supprimé. Gna. On a vraiment pas de bol, hein. Mot supprimé. Et c'est tout ce qu'on va avoir. Sky, c'est bon. C'était Sky. Commande de protectron. Activer l'unité. Alors, juste pour voir, c'est un protectron croix. Quoi, pardon? Rien du tout. Merde, c'est con. On va lui donner une. Une personnalité à cet homme. Alors, à gauche ou à droite? Appeler. Des amis à toi? Alors apparemment il est toujours en danger. J'ai rien vu, mais il y a quelque chose qui a dû me voir. Je crois qu'on n'est pas seul. Puis si on est seul. C'est une légendaire. Même pas. Goule sauvage errante. J'ai cru. Ok. What the fuck? Épilepsie! Putain, t'es en train de bouffer le pillard, eh.
attaque contre la cible hostile. Morceau de journal. Inventaire, pardon. Blah. Ça y est. Rien. Rika est morte, oui je sais, c'est... Ah d'accord, on n'est qu'une poignée à avoir réussi à rentrer, impossible de tenir, elle était trop nombreuse. On n'a pas eu d'autre choix que de descendre, on va patienter ici quelques jours le temps que les ghouls repartent. Désastre derrière moi, voilà ce qu'il y a derrière la page. Yo l'ami. Fais pas attention. Je ne suis là que pour le pillage. La purée minute, ça m'intéresse pas plus que ça. Oh, vous étiez quand même bien installé, hein, bande de nazes. Hop, les. Hop. Alors. Attention. Ceci est maintenant une zone de combat. Mais tu fais pas ton boulot. Des blessures ou la c'est mort quoi ça si vous ménage est fait. Ici. Cette annonce est une obligation légale. Ah, la dernière cible est là. Putain, elle peut sortir. Allez. Dans la tête, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Bon. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Oh, clé de la station. Je sais pas à quoi ça va me servir. Si ça va ouvrir la porte là, j'imagine. Ah merde, j'aurais pas dû la prendre. Ah oui, le mining et le maître. Faudrait peut-être que j'en porte un de temps en temps. Ça éclaire vraiment devant vous, normalement. Je l'ai pas essayé, mais il paraît que c'est efficace. Un peu à la façon de la loupiote des armures assistées. Ah non, pas un peu, exactement de la même manière. Allez, on prend l'XP. Today is gonna be... Non, bah non. Clear et super, bah non. On a pas de bol. Hop. 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 Je vais la faire autant de fois qu'il faut, le hop. Hein. À le faire. Hop. Hop. Et tu vas me le donner ou pas? Hop, et c'est réinitialisé, ça y est. Le problème c'est que je me rappelle plus. Donc clear j'ai déjà fait. Order. Initiate Order 66. Bon, commande à protectron. Bon non, je vais pas le désactiver, c'est un copain, il est, est légendaire. Il est légendaire. J'y ai pas pensé plus tôt, pourquoi? Oh, oh, oh la cachette secrète. Plus de société. Oh la cachette secrète. Today is gonna be the day. Oh, suitcase. Ah, celle-ci est vraiment verrouillée. Elle fait pas mine. Hop, parfait. Génial. Bon, y'avait rien dedans. Hein. Ah, clean black suit. Et un oreiller. Ah, bah si, un oreiller, écoute. On va se laisser tenter alors. Ah, ça ressemble à ça à l'avant. C'est triste. Oh, wow. Pousser, s'il te plaît, merci. Ok. Du fil de coton. Ok. Te voilà.
Alors, techniquement, dans le dos. Maintenant, fini de rire. T'es légendaire, on est d'accord. Ah merde, non, c'est pas toi le légendaire. Ah merde, je crois que c'était lui. Il y a bien un protectron veilleur légendaire. Clé serpent. What? Non! Non! Ah bah ça va, c'est pas trop trop loin. Oh la gueule! Pourquoi il a pété? Est-ce que ce serait à cause parce que j'ai buté l'inhibiteur de combat? Oh fais chier! Oh c'est pute! Faut que je récupère tout ce que j'ai attention, déjà récupéré. C'est dangereux par ici. Protéger et servir. Quelqu'un approche. La voie a l'air libre. Je crois qu'on n'est pas seul. Une bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Bah remarque, je vais pouvoir prendre l'XP ici. Oh! Fais pas ta pute le jeu! Voilà. Joli. Hop là, ça fait longtemps. La zone est nettoyée, cartouche. Pas le balai! Le réveil! Banane! Hop. Ah oui, il y avait ça aussi. Je suis passé à côté comme un con, moi. Yo! Je prends ton couteau de table, hein, si tu permets. Et sans transpirer une goutte. Est-ce que tu vas réexploser? What? Mais je suis à 3 km! Et j'en ai perdu mes deux bras, hein. J'en ai les bras qui. Les bras m'en tombent, chers amis, littéralement. J'ai pas le droit de le buter. Peut-être que j'ai pas le droit de le buter, hein. Tout simplement. Peut-être que j'ai pas le droit. Protéger et servir. Honnêtement, ça me ferait mal. Là, je l'avais oublié, ce mec-là. Soyons honnêtes, ça me ferait mal. Faut bien voir. On va réessayer. Je crois qu'on n'est pas seul. Quelqu'un approche. On parle du loup. Je crois qu'il en reste plus. Ok. Oh! Si elle s'ouvre toute seule! Oh putain! Génial! Ça va être vite fait! Boum! Remarque, je vais pas prendre le balai cette fois-ci. Hein. Ok. Bon, on refait une sauvegarde rapide cette fois-ci. De faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Oh, Kenigou! Ah bah, tu t'es approché! Maintenant, t'en payes le prix, hein. Oh putain! Ça va? Vous vous remettez, bande de nazes? Bon, l'XP du protectron. Il avait un briquet en essence. À essence, en plaqué, en or, pardon. À essence, en plaqué or. Voilà, je vais y arriver. Ça y est, bon maintenant ce truc là, ça pourrait être les mêmes à tous les coups. Dunes. Power. Voilà. Commande de protectron. Donc non, on va pas le déactiver, c'est vrai, mais de toute façon il est mort, donc ça sert à rien de le déactiver. Hop. Je reçois des mails, c'est pas par là, c'est par là. Bon, bah on ressort. On n'aura pas pris le train. Ah bah remarque, on n'a pas été dans le train non plus. Bon, c'est pas grave. Yo, je t'avais pas vu, toi. T'étais bien planqué quand même. Hein. Merde. Alors, pas suffit à ce que tu survives.
Je peux pas les redésactiver ce truc là des fois. Non. Certainement pas. Bon, bah on sort. Après avoir aspiré le sang de leurs victimes, les tics de leur recrache souvent dans les yeux pour les aveugler. Saloperie. Par contre, votre texture est moche. Je pense que je vais devoir rajouter des mods pour les textures des monstres. J'en ai vu un, mais qui change que la texture du. Du. Comment. Du. Mince. Deathclaw. C'est le. Le. Bah, je sais plus comment ça s'appelle en français du coup. L'écorcheur. Mais encore, c'est que l'écorcheur de base. Donc bon. Alors. Alors. Et on a aussi, donc, parce qu'on va le faire, on va faire les deux, c'est pas grave. Hein. Ça sera un peu plus long. On va aller à Blackstreet Apparel. Backstreet Apparel, pardon. Boire une source d'eau constitue toujours un choix cornélien. Vous récupérez généralement la santé perdue, mais votre niveau de radiation augmente. Effectivement, c'est toujours assez. C'est pour ça qu'on le fait pas. Voilà, je vous ai préservé de l'atout. Alors. Ah, faut que je retourne là-dedans en plus. L'endroit où je suis déjà allé. Je t'ai vu, hein. What? Dégage, putain! Boum! Boum, tu marcheras plus jamais, toi, par contre, je suis désolé. J'ai tiré dans la colonne. Et les nudistes. What? Comment son pistolet peut être plus efficace que le mien avec une... Ah oui, la meilleure cadence de tir. Bon, alors, où est-ce qu'ils... Ils ont récupéré leur... Bah, attendez, parce que si vous avez tout récupéré, les mecs, moi, je vais venir faire le plein, hein. C'est... Enfin, je sais pas, ça me semble logique, hein, si... Parce que l'autre, là, que j'ai abattu la dernière fois, ça fait chier, du coup, que j'en ai mis certains dans la flotte, quoi. Ouais, là, elle que j'ai abattue. Ah, elle a rien récupéré. Dommage. Bon, c'est pas grave. On y va. Je crois que vous faisiez tirer dessus, les mecs. Alors, Backstreet Apparel. Ça tombe bien. Mais du coup, est-ce que ça va avoir repop dedans ou pas? Je crois que j'ai vu quelque chose. Je crois que j'ai vu aussi. Non, j'ai pas réussi à les louper celle-là. On est où? Oh, mais. Ah, y est, ça touche. T'en as dans le ventre. Eh, plus pour longtemps. Ok. Y'a plus de pièges, hein, y'en avait avant. Ils sont plus actifs, on est d'accord. Faudrait que je réussisse à le désactiver, à le désamorcer, vous voyez. Marche pas. Dommage, bon, moi je vais prendre le fusil. On est dispé, c'est pas grave. Il y a quelque chose. Regardez qui est là. Et sans transpirer une goutte. Remarquez. Même les toiles. Alors ça par contre c'est nul. Que les. Ah, oh, quoique ils peuvent les réparer, remarque. Hein. Oui, ils arrivent à se faire des armures assistées eux-mêmes, donc ils peuvent les réparer. Je vais pas chipoter là-dessus. Eh ben, pas marre. Ça nous rajeunit pas. La fuite est encore possible. Oh. Désolé l'ami. Franchement, sincèrement désolé. Hop. Tu me fais sauter la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça y est. Le coup, ce que t'as sur toi. Ah bah c'est cool, si je peux tout refaire au niveau XP, c'est cool. Alors, je t'écoute. Daring. Génial. Je commande du coffre-fort. Ouais, bah il est déjà ouvert le coffre, hein, ou du gland. Encore tout loupé, toi. Hein. Des cartouches. En toi, j'en finirai vite fait. What the fuck?
Je t'adore, Kanigou, t'es génial. Bon, les filles, vous êtes où? De nous sous-estimer. Oh la pauvre qui essaie de me donner un coup dans le nez. Hop. Bien. Pa 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 pa. Je te fais sauter la tête. Oh, paquet de ruban adhésif. J'avais pas vu la première fois que je suis venu ça. Alors c'est peut-être pas possible. Hein. Ouais, ça durera pas parce que le Steam Pack je l'aurais pas loupé. Grognac, ça par contre ça m'a fait chier d'avoir loupé. Le gros coffre. Maître. Ah bah je peux l'ouvrir maintenant. Oh la vache, ça va être chaud. C'est une quête à lui tout seul ce coffre. Hop, ça y est. Ouais. C'est bon. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Le UDADA par contre, oh bah si je vais le prendre, ça rapporte plein de choses en fait. 25, ouais c'est une quête à lui tout seul, c'est bien ce que je disais. Hein. C'est violent. Non, c'était la canette que je voulais, merci. Large Toolbox. Encore une fois, je rappelle que tous les objets qui ont des noms en anglais en fait sont principalement... dans cet état, entre guillemets. Parce que j'ai amélioré normalement leur texture. Ça se voit pas des masses, quoique. Non, ça se voit pas des masses. On remonte. Normalement, on va être dehors. Normalement. Voilà, et on a le fameux petit coffre. Avec le nounours. Que je prends pour... Mon petit Kanigou qui joue avec les nounours. Oh, il joue avec les nounours, Kanigou. Donc j'imagine qu'il a une série d'objets qui fait qu'il joue avec, en fait. Ce qui est assez cool en soi, hein. Soyons honnêtes, c'est vraiment très très cool. On retourne jusque au commissariat. Et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à me donner des conseils, des astuces dans les commentaires. Ou encore me donner encore... Toujours et toujours sans spoil, votre avis sur le jeu. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, toujours malade. À demain pour un nouvel épisode de Fallout. Salut les gens, et bien sûr, il y a les deux vidéos qui suivent en ce moment, tout de suite là.